Et re tout le monde. Alors, on va continuer un petit peu ces filtres. Il faut surtout que je répare ceux que j'ai cassés ici. Alors, ceux-là, ils ont l'air bons. On va déjà aller récupérer tout ce qu'il y a là. Au passage, j'ai profité d'aller me chercher un petit peu de chocolat. J'avais un petit creux. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est encore bon. Et salut, Sensu. Bon, il n'y a plus qu'à aller chercher les items. Verre et lime. Celui du milieu, on va voir qu'est-ce que c'est. Jaune, orange et rouge. Ok, c'est parfait. J'ai encore assez de Hooper. De Sticky Piston. Ok, on va s'attaquer à celui-là. Je veux quand même voir si j'ai pas la possibilité de décaler tout ça. Non. Ça m'embête de devoir casser le mur. Si je dois casser... Ça va être compliqué à
à corriger. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? On a 5 filtres à chaque fois. Ouais, vu comme c'est fait. Au pire, voilà. Le coffre qui est là. On l'enlève. Ce qui nous permet de tout décaler de 1 en avant. Ça m'éviterait vraiment de casser le mur. Ouais, et du coup, ça ferait un coffre de moins quand même pour la ligne. On va déjà s'attaquer à ceux qui sont plus facile. Enfin, du côté ici où il n'y a pas de problème. J'attends le retour d'Oran pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Ok, là c'est bon. Hop, petit moment de calme du coup, je me suis concentré. Est-ce que je ferai des lives sur des serveurs avec mes abonnés? Non. Je ne pense pas. Où est-ce qu'il est passé, le dernier repeater?
Il me manque un repeater. Bah, il est passé en dessous. Ok. Voilà. Ok, ça me semble juste. Et salut Eowalim. Alors j'espère que je prononce juste. Et c'est ton premier live que tu viens voir, et bien bienvenue à toi. C'est sympa de passer. Ok, je l'ai correctement fait de l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à changer ici les torches. Voilà, c'est fait. Ça donne quand même un autre look, hein, ce système par rapport à ce qui est à côté. Il n'y a plus qu'à corriger les coffres. Ok, ici ça a l'air très bien trié. Hop, 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 hop. Je sais qui c'est qui a renommé en fait quel item. Je suis sûr que c'est Tidus qui a fait ça. Le petit farceur. Ok, item de tri remis. On n'a plus qu'à aller remettre ce qu'il y a. Brun. Noir. Gris. Gris clair. Et blanc.
Ok, si j'oublie la redstone, ça va pas le faire. Et hop! Une grappe de fête. Ouais, je suis sûr que c'est son genre, Atidus, de faire ce genre de petite blague. Il pensait que ça passerait discret, qu'on toucherait plus jamais ses filtres, que personne ne verrait, et bah c'est loupé. Ça passe en direct mondial à la télévision. Devant 80 millions de spectateurs. À quoi j'ai dit un chiffre? Pour ceux qui parleraient pas correctement. Soixante, septante, huitante, nonante, cent. Faut que je fasse gaffe, en fait, c'est tellement spontané quand je dis ça. Mais quand vous parlez de... Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Quand vous parlez d'une personne âgée qui a 90 ans, par exemple. Nous, on dit nonagénaire. Est-ce que ça se dit aussi? Parce que dans ce cas, il faudrait dire 90. Parce que sinon, il y a un problème de logique. Après, il y a les octogénaires, mais bon, c'est où qu'on dit octante? C'est en Belgique, c'est ça.
Ouais, c'est les règles, elles sont assez complexes quand même. Salut Marco! D'ailleurs, ça serait logique d'aller vers une simplification des. Et des re-Oran. Heureux les copains! J'étais en train de parler de français. De français? Enfin, parce que j'ai eu le malheur de dire 80. Ah! Ça les a tous réveillés. Mais 80 pourtant, c'est tellement logique, tellement beau, tellement bien. Bon bah du coup mon rendez-vous ça a été rapide. Donc c'est impeccable, je reviens. I'm Cool. back. J'avais justement une question. Oui. Parce que je dois casser des murs pour le système. Non. Après tout ce que tu as cassé ces derniers temps, tu veux encore casser quelque chose? Oui. Ah oui, je vois un peu sur le live. Ah oui, d'accord, t'as besoin d'un cube de plus. Mais alors, en fait, la question que je me posais, du coup, c'est que ceux qui sont vraiment contre les murs, j'aurais la possibilité de décaler les filtres de 1. Mais du coup, ça enlèverait un coffre. Enfin, un double coffre sur certains, sur les deux du bord. Ouais, alors attends, j'essaye de me resituer, là j'arrive. Alors. Parce qu'en fait là t'es trop près du mur, c'est ça, il faut. Oui, on va pas casser l'architecture extérieure. Donc la seule solution c'est de ravancer les entonnoirs de 1 vers l'intérieur, c'est ça? Oui, en tout cas que pour les parties proches des murs. C'est ça, j'aime les murs, mais les murs, les fruits. Et du coup, ça enlève un coffre, mais que sur l'extérieur. Le coffre tout en haut, là, il serait supprimé. Oh, ça laisse quand même trois doubles coffres sur les parties plus extérieures. C'est pas trop grave. Je suis même pas sûr que ça. Non, on peut. Regarde, je vais casser. Ah, je peux pas. Je peux pas monter. Ah. Ah bah oui, parce qu'on n'a plus le boost jump. Bah non. On se demande pourquoi. Pourquoi on n'a plus le jump boost? Hein? Faudrait que j'aille chercher un beacon quelque part. Donc, comment tu fais pour grimper? T'as une échelle quelque part? Oui, j'ai des escaliers en stone brick. Magnifique marche. Ok, c'est ici alors. Ah oui, mais du coup. Merci pour le petit café. Du coup, c'est par là. Ah, je suis dans un entonnoir. Non! Non, j'ai une bitch. Au secours. Je vais pas faire comme toi. Ah, purée, je suis vraiment coincé là. Eh mais comment se fait-il qu'on puisse être coincé à ce point-là? C'est la hitbox, elle est un peu spéciale pour les entonnoirs. Voilà, bravo. Alors, je recommence. Voilà, j'ai réussi à aller où je voulais. Donc. Tu voulais mettre juste un simple coffre en bas, et puis du coup, ça permettrait de décaler ou... Pas du tout.
Regarde, si du coup la ligne de hopper tu la mets. Ah non, le retour du. Oh, c'est pénible ces hoppers là. Si le. Et. J'aimerais bien passer. Oui, pour l'histoire, c'est moi qui ai cassé le beacon. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Donc, on peut le mettre ici, hein, le coffre. Ah bah ouais. Pas bête. C'est ce qu'on avait fait, tu vois, sur le coffre sur lequel tu es en fait. Là, les coffres sur la colonne où tu es, ils sont pas tous alignés dans le même sens. Ils reviennent, ils rebiquent un peu en arrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, comme celui que je viens de mettre. Donc, Ok. du coup, on perd aucun coffre, on décale juste le coffre du dessus, et ça te permet de décaler la ligne de hopper tout en haut, non? Bon, on peut faire ça pour tous les coffres. Enfin, tout le tour. Puis après, on n'a plus qu'à Ouais. décaler. Tous les hoopers. Oh là 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 là, le boulot. Le boulot. Ouais. En tout cas, j'y connais rien en Redstone, mais je suis bien content de t'avoir aidé en rangement de coffres. Là, j'ai fait de l'optimisation de rangement de coffres, à défaut d'optimiser des réseaux Redstone, des circuits Redstone. Donc, par contre, on est d'accord qu'il n'y a que les coffres extérieurs qu'on décale, pas la peine de décaler le reste. Non, que l'extérieur. Ok. Comme ça, après, on décale tous les filtres de sur l'intérieur. Et j'ai pas de pioche, je vais vite aller m'en faire une. Ah, c'est plutôt une hache qu'il te faut, techniquement. Oui, une hache. Ça va, t'as pas piqué tout le fer de la banque? De la banque? Il doit plus en rester beaucoup à la banque. C'est bon, il y en a encore. Par contre, là où il y en a encore moins, c'est à la ferme à fer. Alors, je me demande si le gars qui s'est installé à côté n'en pique pas. Avec sa petite roulotte? Ouais, je sais pas. Faudra aller inspecter. Alors pendant ce temps-là, dans le chat, il y a de la maintenance informatique. Apparemment. J'essaye de suivre qu'est-ce que vous faites, mais. Ah, c'est Marco qui lag. Du coup, il y a tout le monde qui le dépanne. Tiens d'ailleurs Marco, toi qui es sur Born to Mine, est-ce que vous avez réussi alors à faire votre usine à sable, à changer la couleur du sable? Il y a aussi Archer, je crois, qui est sur C'est possible, oui. Oui, tout à fait, Bantu. j'avais pas vu Archer, salut. Ah, il y a Amaury Jolie qui dit oui, Oran. D'accord. Toi aussi, t'es sur Born to Mine, Amaury? C'est peut-être avec le décalage, non? Ah, peut-être, je ne sais pas. En même temps, vous êtes nombreux sur Born to Mine, donc je ne connais pas tous les noms des gens présents. Ah, ils sont en train de faire la déco. Une perte de 20 blocs par deux stacks. Ça fait beaucoup. On est 21 moins 1. Pourquoi le moins 1? Ceci dit, ça y est, j'ai décalé une colonne. Je vais manquer d'enderperles.
Ah oui, mais j'ai fait que la moitié du boulot en fait. Alors, il y a Ewalim qui demande c'est quoi Burn to Mine? À ne pas lire en français, hein, parce que. Avec la... avec burn to Mine. C'était un peu ce qui s'est passé dans le tunnel, ça, Burn to Mine. Ouais, c'est ça, c'était le tunnel de Scarjack. Burn to be alive. Alors, Born to Mine, c'est un serveur effectivement qui ressemble beaucoup à Difficile Aventure, à la différence près qu'ils ont des règles plus strictes au niveau des coordonnées, par exemple, au niveau de. Ils n'ont pas les coordonnées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus strict? Il y a autre chose qui. Il y a d'autres règles, mais ça, je me souviens plus. Mais en tout cas, sinon, c'est un serveur vanilla où ils construisent, ils font des constructions de fous. Ils sont une vingtaine donc, et ils ont des vraiment, vraiment d'excellentes choses. À ma connaissance, c'est Palpatine qui est à la tête du serveur. À la tête de l'Empire. À la tête de l'Empire. Gère, je pensais comme toi en fait. Et donc, je vous conseille d'aller voir les vidéos des membres du serveur. Donc, il y a Marco ici. D'ailleurs, Marco, tu fais des vidéos? Je ne sais même pas. Mais en tout cas, Palpatine, je sais qu'il fait des vidéos, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert Born to Mine. Il y a Marc Antouf aussi sur le serveur, qui faisait le live du coup qu'on a vu la semaine dernière, où ils installaient une usine pour changer la couleur des blocs de sable. Passer du sable jaune au sable rouge. Marco a raison, n'y allez pas tout de suite, attendez la fin du live. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, quand même. Mais allez-y après. Ah d'accord, il y a un chemin phénoménal qui a été rajouté avec des entonnoirs pour stocker toutes les toute la Nether Rack, toute la roche du Nether en fait. Oui, c'est ce que j'avais fait. C'est toi qui l'avais fait ça? Ouais, il me semble que j'avais essayé. Oh la vache. J'avais fait un test. Oh purée, tous les coffres. Ah, je savais pas que t'avais fait ça. Oh, c'est énorme tous les coffres qu'il y a. Mais du coup, là, ça va te. Enfin, faudra voir au cas par cas là pour décaler le. Mais je pense pas que ça pose problème. T'as dû faire le truc de telle sorte qu'on puisse décaler, je pense, le filtre. Enfin, tu verras quand il sera à ce moment-là. Je décale rien pour l'instant. Je continue à décaler les coffres qui sont tous sur le même pattern. Ah oui! Le but c'était d'étendre en fait, bah, la capacité de stockage, j'imagine. Ouais, sur ceux des bords en fait. Ouais, bah t'avais raison. Il faudrait peut-être faire ça pour la stone aussi. Hein. Mais ouais. Bon, pour l'instant, on en a peut-être pas ramené autant. Mais c'est seulement pour les ressources où on en a beaucoup. Ouais, la Nether Rack, on s'en sert pas en plus. En fait, on devrait. Il faut faire aussi dans cette banque communautaire, il faut faire une super fonderie quelque part. Je pense qu'on a la place en dessous de la faire. Oui. Et à partir de cette super fonderie, on pourrait par exemple faire cuire la Netherrack, parce que autant la Netherrack on s'en sert jamais, autant la Netherbrick, ça pour le coup on s'en sert dans pas mal de constructions quand même. Donc ça serait et puis ça diviserait le stockage par 4 en fait.
À condition de transformer les briques en nether briques en blocs. Alors, personne n'a essayé de deviner qui était le petit nouveau. Si, si, ils ont essayé. Non, ils ont pas essayé, ils ont essayé de me demander à moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis pour que tu parles? Des tonnes de cookies, j'imagine. Ouais, rien du tout. Même pas, ils ont pas essayé de te corrompre? Non. Aucun intérêt d'avoir un secret comme ça, alors. On pourrait les faire. On pourrait dire que c'est n'importe qui. Oh, il y a un filtre qui était vide là. Ah non, ça doit être. Mince, ça doit être le. C'est le. Comment le coffre des déchets. Tu disais quoi? Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé la parole. Pardon. Oui, je disais, on pourrait leur dire, on pourrait leur dire un faux nom. C'est vrai. Bah écoutez, c'est Hey Pierre qui nous a rejoint. Et le prochain, ce sera Fanta. Ils sont un petit peu connus, peut-être que vous avez entendu parler d'eux. Ouais, ils sont venus nous proposer, mais on n'était pas sûr. Alors, au début, on a même refusé, et puis comme ils ont insisté pour avoir la paix, on a dit oui. Merci, Walim. Hier, j'étais pas chez moi, et en voiture, ça m'a fait trop rire, j'ai croisé une voiture, et sa plaque d'immatriculation, c'était DAYT. Excellent. Ouais, j'ai trouvé ça excellent. Bah merci d'être passé Marco, et à plus, occupe-toi bien de ton fils. À plus Marco. Ah bah tiens, c'est l'invasion du coup de... De Born to Mine. Et Born to Mine maintenant. Grâce à GA. Bah, bienvenue en tout cas, bienvenue. J'ai l'impression que tu prends des entonnoirs au passage à chaque fois. Non, je casse que des coffres. Ah oui, c'est parce qu'on décale de deux l'envoi. Oui, on décale de deux l'entonnoir, le coffre, hein, non? C'est bien ça, hein, qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, c'est juste. Mais alors, pourquoi il manque un entonnoir à chaque fois? Eh ben parce que si je décale de deux, il te faut deux entonnoirs, non? Peut-être. Parce qu'en fait, tu le récupères l'entonnoir qui est en dessous, là? Ouais. Oh, je suis tombé. Je sais pas. Ah oui, c'est qu'à chaque fois il manque un entonnoir. Enfin, il m'en manque deux. Mais comme je décale, j'en récupère un. Donc il en manque un. Ah non, en fait, je dis des bêtises.
Salut Popol! Salut. Popol demande s'il est poilu. Le nouveau. On peut dire ça, je crois. Ouais. Ses cousins machin. Tu sais qui c'est? De Cousin quoi? machin. Cousin machin. Tu sais qui c'est? Non. Ah, faut que je t'ai trouvé une photo. Je l'ai mis dans le chat. Cousin machin, c'est dans la famille Adams. C'est un gars un peu poilu. Ah oui. Pas mal. Et salut petit bout. Alors, Salut. bonsoir tout le monde, bonsoir à 16h. Ça nous rajeunit pas. Bon, c'est là qu'on se rend compte qu'elle est grande cette salle, quand même. Oui. Et puis c'est là que tu te dis, t'as beau dire que c'est fini, etc., que la banque communautaire est terminée, en fait, bon, bah, finalement, elle n'est pas si finie que ça. Ouais, pas vraiment. Quand tu réfléchis, finalement, bah, du coup, il nous reste le système de four à faire. Là, on est en train de réorganiser les filtres. Après, il y a toute la base, le socle à faire. Bon, donc finalement, elle est loin d'être finie. Mais ce qui est cool, c'est qu'à la fin du live, on aura une banque communautaire totalement non fonctionnelle. C'est vrai, parce qu'on pourra plus rien foutre dedans. Parce que oui, il y a la moitié des trucs qui fonctionneront plus. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Donc il va falloir qu'on mette des pancartes pour prévenir les autres. Ne pas utiliser la banque communautaire pendant quelques temps. La banque est en Pendant la maintenance. durée, ouais, pendant la durée des travaux. Mise à jour 2.0 de la banque communautaire. Il est trop jeune pour connaître cousin machin mort de rire. C'est vieux en fait. Ouais, la famille Adams, c'est vieux. Mais ça, je me rappelle, mais je me rappelais plus qu'il s'appelait comme ça. Ah, vous savez, Gréby a vieilli il n'y a pas longtemps, hein, donc il peut connaître des trucs de vieux maintenant. Ouais. Il a le droit. Bon alors, Gréby, tiens, je me posais la question. Est-ce que tu es déjà monté au sommet de ta montagne pour tourner la FAQ de tes 1000 abonnés qui ne devraient pas tarder, Non. s'ils ne sont pas déjà là? Toujours pas? Non. Ah, t'attends qu'il fasse de la neige. J'attends qu'il fasse beau. Il fait pas beau? Bah en fait, il y avait une grande période de beau, il faisait beau, ça allait bien. Je me suis juste pas organisé pour avoir ce qu'il fallait niveau son et tout ça pour pouvoir tourner. Parce que il y a possiblement pas mal de vent là-haut. Ouais, il te faut un espèce de pompon là ou je sais pas quoi là, enfin de truc à mettre sur le micro, j'imagine. Ouais, mais je veux pas non plus en fait investir dans un truc cher juste pour Ouais, ça. bah oui. Bah oui. Du Je coup, comprends tout à fait. maintenant que je me suis un peu organisé, il fait pas beau.
c'est pas de chance. C'est vrai. Sinon, t'as assez de questions pour ta FAQ ou il faut qu'on encourage les gens à poser d'autres questions? Non, à être plus curieux encore. Bah, s'ils ont des questions, si vous avez des questions, bah, il faut pas hésiter encore à les poser, hein, y a le temps. Mais Y a le mauvais temps. Ouais, y a le mauvais temps. Oh non! Il y a d'autres coffres qu'on doit devoir décaler. C'est vrai? Ouais. Non, 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 c'est bon, j'ai rien dit. J'ai eu... une absence. Voilà. Alors, il y a Archer qui dit, tiens, le nouveau, vous aviez déjà organisé un truc avec. Ah, tu veux savoir, en fait, s'il est déjà venu sur le serveur. Si on a déjà fait quelque chose avec le nouveau. J'imagine que c'est ça ta question, Archer, en fait. Si c'est ça ta question, oui, tout à fait. La réponse est oui, étant donné qu'il s'est déjà installé... près de la gare abandonnée. J'ai publié un screenshot ce matin. Du coup, Grévy, là, je me retrouve avec quelques items des filtres, mais qui étaient coincés dans les coffres. Bon, on verra ça quand on refait des filtres. Ouais, je peux pour l'instant, je suis obligé de les garder sur moi, je peux pas les balancer, ça va tout casser. Ouais, non. Mais tu les mets dans un coffre n'importe où. Oui. Non, la question d'Archer en fait, c'était est-ce que vous aviez déjà collaboré pour autre chose que le serveur Difficiles Aventures. Collaborer, je dirais pas, mais jouer, oui. Oh, je me suis fait aspirer mon coffre. Où est-il? Qui a aspiré mon coffre? Ah, c'est qu'ici, il y avait un filtre buggé. Non. Ouh, j'ai vu passer un cochon. Bizarre, comment mon coffre a-t-il pu être aspiré ici? Salut Korf! Salut tout le monde! Salut! Comment vas-tu? Ça va. J'ai vu passer ton tweet là par rapport à faire un live sur ton empire, ça pourrait être intéressant. Ah, avec moi qui... ton RP, etc., ça serait sympa. Parce que c'était le mieux placé pour parler de tout ce que t'as inventé. Ah, ou juste le caméraman pour te suivre, c'est ça? Bah, c'est un peu l'idée, quoi. Vu qu'en effet, ça serait pas moi pour le moment qui ferait le streaming. Et on pourrait être. Tu sais qu'on est en live là, Korf? Oui, je. D'accord. On pourrait être infiltrés dans ton royaume, tu sais, des ennemis près de la frontière. Ou au contraire, des guests. Des... Ah non, je me suis encore fait piquer mon coffre. Mon coffre. T'es piqué ton coffre? Il est fort oui. Sur tes coffres. Ne pas utiliser la banque communautaire, elle est en maintenance. Grévy a tout cassé. Encore. Encore, et oui. Ah non, mais je me suis encore fait avaler le coffre là. Alors,
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un gitan qui s'est installé sur le serveur, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une belle roulotte 3000. Le grand luxe. Parler de sa chemise. Une chemise qui coûte très cher. J'imagine. Non, du coup, en fait, Greby, pour ce live, a décidé d'améliorer le système de filtre de la banque communautaire parce qu'il y a quelques filtres qui s'étaient bloqués, qui s'étaient cassés à cause de la trop grosse quantité de matériaux qu'on a fait digérer au système. Et du coup, il faut installer des filtres plus efficaces qui ne peuvent pas interférer les uns aux autres, les uns avec les autres. Et du coup, pour ça, il faut qu'on décale une partie des coffres et qu'on casse des systèmes existants. C'est ce qu'on est en train de faire. Très bien résumé. Oh, t'as vu un peu. Et tu as vu les screenshots du tunnel de Scarjack? Non, j'ai cru voir une mention comme quoi il y aurait quelque chose qui brûle, mais... C'est ça, ouais. Pour brûler, ça a brûlé, ouais. Si tu passes dans le hub, tu jetteras un coup d'œil au tunnel de Scarjack. Enfin, ce qu'il en reste. Ah la vache, ah ouais. Mais comment ça se fait? Ça avait pas brûlé pendant 10 lustres? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors après, moi, j'ai fait une déviation du tunnel de la zone contemporaine. Donc c'est peut-être ça, mais c'est pas sûr. Parce qu'a priori, j'ai fait ça avant-hier et hier, le tunnel était intact. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu de la lave, je sais pas. Il va y avoir eu un gaz qui aurait spawné, puis qui aurait fait exploser, que ça aurait pris feu, tu vois. Ah, qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui soit passé là pour que ce soit le cas. Moi je me suis baladé, alors c'était pas hier justement, c'était... Là, j'ai fait de la reconnaissance pour créer le tunnel vers la Gold Farm. Bah, si t'as vu, j'ai mis un panneau, je vais ouvrir un nouveau couloir du hub. Ah non, j'ai pas vu, tiens, je vais aller voir. Mais c'est pas du tout par là, la Gold Farm. Non, 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 ça part à partir de la gauche de la... À gauche de la... du couloir de Mila. C'est le couloir qui restait pas utilisé. Oh, et t'es tout beau, Corf. Tu oublieras pas que t'as pas d'armure. Hein. Ça peut être dangereux. Ah oui, c'est parce que pour travailler sur la Gold Farm, je mets plus mon armure. Oh le gars, il travaille à poil quoi. C'est trop chaud dans le Nether. C'est surtout que j'ai pas envie de la perdre en tombant, en étant tué par un gaz, en tombant dans la lave, en mourant oui, donc, de manière quelconque. Donc quitte à mourir, de toute façon comme tu meurs automatiquement malgré ton armure, c'est vrai, autant ne pas la porter, ça évite de l'abîmer. Voilà. Bientôt ici, tunnel pour l'usine à or. D'accord. Et l'idée de simplement creuser ton tunnel à toi de l'Empire Corfandar et de le prolonger, c'était pas une bonne idée? Bah, le prolonger, je me serais tombé sur le... Je crois sur le... Soit sur le... Bah, je serais obligatoirement tombé sur le tunnel de la Roufud qui est à ma et gauche, là. Parce qu'il tourne à droite après, donc je suis coincé. Mais tu pouvais pas passer dessous en fait, il était trop proche pour que tu passes dessous. Ouais, j'aurais pu passer dessous quoi, mais là j'ai vu en... Parce que j'ai un peu, bon j'avoue... utilisant le mode spectateur... j'ai un peu cartographié tout le réseau qui traînait. Ah, ton réseau... Ton réseau à toi. Celui sur lequel on était tombé aussi avec... Avec... Avec le nouveau. Avec le nouveau. Et en fait, il amène là où justement il y a le couloir. Parce qu'en fait, le couloir de Mila le coupe. D'accord. Oui, alors ce tunnel. Dont avant, tu parles, il l'a amené à l'usine à squelette, à Weaver Squelette en fait, celui-là. Mais il est plus utilisé parce qu'il y a un autre chemin plus rapide par je sais plus où d'ailleurs. Enfin maintenant on peut y accéder par d'autres moyens. Donc je vais le détourner en partie
qu'il y a une bonne partie en plus des rails dedans qu'on peut récupérer qui servent plus à rien. Et après, du coup, lui, il est direct. Je rencontre pas de couloir en passant par là. D'accord. C'est pour ça que j'avais pensé le faire comme ça. Après... Ah ouais, non, ça me va. Hein. Si c'est le plus simple, hein, autant le faire. C'était juste pour... comme on commence à être à court de tunnel, en fait, c'était juste dans l'optique éventuelle d'économiser une entrée de tunnel. Mais si c'est trop chiant de passer dessous et de passer sous des tunnels, etc., bah, c'est pas grave, hein. On utilise une nouvelle entrée et puis, puis ça nous fait un tunnel tout beau, tout neuf pour l'usine à or. Bah, vu que dans ce coin-là, pour l'instant, ça gêne personne, puisque... C'est pas dans ce coin-là non plus qui est envisagé l'établissement du nouveau. Oh. Je pas ma chérie. Il y a Ger qui dit dans le live, si vous êtes gentil, je vous donnerai des photos de ma barbe. On l'a déjà vu ta barbe, Ger, dans les lives. Mais par contre, peut-être des photos dédicacées, ça pourrait être pas mal, de ta belle barbe. Du coup, on va faire 5 minutes de pause. Je vois que c'est 4 heures. C'est l'heure du goûter. Voilà. Je vais aller me chercher une plaque de chocolat militaire. Oh l'autre, hein, comment il... Voilà. Avec un petit verre de lait. Comme ça, j'irai me chercher une bière. En fait, Grévy, c'est le Père Noël, quoi. Il a sa petite tasse, ce petit verre de lait et son chocolat. Ouais. Ouais, mais maintenant, si ça brûle dans le tunnel de Skarjak, mon entrée secrète, elle est découverte. Elle est plus secrète, là. Hein. J'ai découvert un chemin avant. Pendant le live, d'un coup, il y a de la stone brick. Il y a un escalier dessous, je me suis demandé, et puis on tombe sur un portail. Donc c'est à toi, ça. Oui, ça, oui. Ouais. C'est le crack des dragons jumeaux. Ouais, c'est l'entrée du crack des dragons jumeaux, ouais. Ah, t'as vu comme je me repère trop bien, même dans les tunnels les tunnels clandestins. Et tu, sans lui dire, tu lui as fait une entrée secrète par là, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait la localisation était sous son tunnel, et du coup, comme ça m'énervait de devoir repasser, de faire tout le chemin inverse alors que ça servait à rien, du coup j'ai créé... Mais quand il est... Quand il était fermé, il était invisible, quoi, par rapport à son entrée à lui, par rapport à son couloir. Moi, je pense qu'on n'aura aucun mal à trouver un coupable pour savoir qui a mis le feu à ce tunnel. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait des travaux sous le tunnel de Skarjak sans lui dire, pour installer des passages soi-disant secrets. Ah, mais celui-là, il existe depuis... Et un adepte du feu aussi, hein. Attention. Ouais, on n'en a aucune preuve, Corfandar. Ça se trouve, ce tunnel, il date d'hier. Et tu essayes d'avoir un alibi. Comme si vous le connaissiez pas, en plus. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Oh, la mauvaise foi du professeur Oran. Il n'a jamais été ajouté officiellement au cadastre du métro. Donc, je ne reconnais aucun tunnel non officiel. Pour moi, celui-ci, je l'ai découvert tout à l'heure. Et comme par hasard, suite à un incendie ravageur. D'ailleurs, je me suis paumé dans les trous. Mince. Bon, du coup, moi, je vais lancer la pause. Pour moi, l'intérêt d'avoir fait brûler le Skarjak pour faire un passage qui est théoriquement secret. Bah, c'est accidentel. Non, mais moi, je pense que c'est un accident, hein, que c'est un accident industriel. Peut-être même que tu as fait venir un ou deux dragons pour t'aider à creuser, et puis finalement t'as mal maîtrisé leur puissance et que ça a cramé tout le tunnel. Allez, je lance la pause parce qu'il me faut mon chocolat. Bon bah, à tout.